Xavier Dani Alves se retrouve au FC Barcelone. Et non, vous ne rêvez pas. Nous ne sommes pas en 2015, mais bel et bien en 2021. À 38 ans et libre de tout contrat depuis son départ de Sao Paulo en septembre dernier, le Brésilien revient en Catalogne où il a passé 8 saisons entre 2008 et 2016. Faisant partie de cette génération dorée qui a tout gagné. La nouvelle vient d'être officialisée par les Blaugrana à travers un communiqué de presse. Le FC Barcelone et Dani Alves ont trouvé un accord concernant l'arrivée du latéral brésilien pour disputer ce qu'il reste de la saison 2020-2022. Le joueur s'entraînera avec le groupe dès la semaine prochaine, mais il ne pourra jouer qu'à partir du mois de janvier 2020. Après avoir signé jusqu'à la fin de cette saison, plus une année en option, le latéral droit devra donc attendre le début de l'année prochaine pour faire son grand retour sur la pelouse du Camp Nou. C'est en tout cas la volonté de Xavi de pouvoir utiliser l'international brésilien, l'homme aux 119 sélections et 8 buts en équipe nationale. Il a pourtant quelques cartouches à ce poste, entre les présences de Sergi Roberto, l'un des capitaines du Barça, le jeune, mais encore trop inconstant, Serginho Dest et le polyvalent Oscar Minguesa. Mais c'est sans doute le caractère de champion de Dani Alves qui a fait la différence dans cette opération. Si ses meilleures années sont évidemment derrière lui, le Brésilien se fixe des objectifs encore élevés, comme celui de participer à la Coupe du Monde 2022 au Qatar, lui qui a remporté les Jeux Olympiques en qualité de capitaine avec la Seleção à Tokyo en août dernier. En plus de cela, il ne coûtera pas grand-chose au FC Barcelone et apportera son expérience à une équipe qui va sans doute se tourner vers la Masia. Tout juste après son officialisation, le Brésilien s'est exprimé sur les réseaux sociaux. Presque 5 ans à me battre comme un fou pour arriver à ce moment. Je ne savais pas que cela durerait si longtemps. Je ne savais pas que ce serait si dur. Mais je savais au fond de mon cœur et de mon âme que ce jour viendrait, a-t-il expliqué. Son nouvel entraîneur, Xavi Hernandez, considère que le Brésilien peut apporter son expérience, son professionnalisme et son caractère pour inverser la situation délicate du club Blaugrana. Je reviens à la maison d'où je ne suis jamais parti. Et comme je l'ai dit avant de partir, je suis l'un des vôtres. Je ne sais pas combien de temps ce rêve va durer, mais qu'il dure pour toujours. À bientôt, là où cela me passionne le plus. Avec les mêmes émotions que lors de mes premiers pas et avec le même désir d'aider à reconstruire le meilleur club du monde. Je suis de retour à la maison. Les fans du club catalan apprécieront sans doute toutes ces déclarations d'amour que Dani Alves lui a faites. Dites-nous dans les commentaires si vous êtes fan du retour de Dani Alves au FC Barcelone. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, commenter, partager. Et sur ce, les gars, ciao.